Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un airdrop qui fait chaud actuellement. Il s'agit de l'airdrop organisé par Tronlink Pro. Eh bien, Tronlink Pro, c'est un portefeuille de crypto-monnaie. C'est un portefeuille de crypto-monnaie qui a lancé son airdrop, qui a lancé un airdrop tout récemment. Et cela, c'est très simple. Tronlink partage 300 crédits gratuitement. 300 crédits gratuitement. Et ces 300 crédits peuvent être échangés contre du Tethereum ou du Bitcoin ou du BTT ou d'autres crypto-monnaies possibles. Mais je vous rassure, bonsoir, les 300 crédits ou bien les crédits ne sont pas échangeables actuellement. Il faut que vous soyez conscient de cela. Les 300 crédits ne sont pas échangeables actuellement. Donc, je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire, oui, pour pouvoir avoir ces 300 crédits. Et au moment opportun, lorsque le retrait va être possible, je vous ferai encore une vidéo pour que vous puissiez retirer. Mais c'est un airdrop surtout à ne pas rater. Donc, chers amis, la toute première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'aller télécharger le portefeuille Tronlink. Bon, d'abord, je vous dis les conditions à remplir pour avoir les 300 crédits. C'est très simple. Un, vous téléchargez le portefeuille Tronlink Pro. Bon, pour ceux qui ont déjà l'application Tronlink Pro, c'est pas grave. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que, à une partie, je vais vous dire si il faut désinstaller l'appli et reprendre l'appli ou si il faut, laisser ça comme ça, bien si tout est bon, parce qu'il y a certains qui l'ont déjà fait inconsciemment, vous voyez un peu. Donc, la première des choses, télécharger l'appli. Et la deuxième des choses, inscrire un code. Vous voyez, inscrire un code. Et c'est après cela, maintenant que tout est bon, vous allez recevoir gratuitement les crédits. Donc, nous allons commencer. Je rentre dans Play Store et je tape Tronlink. Pro. Je lance. Voilà l'appli. Donc là maintenant, vous cliquez sur installer. Je clique maintenant sur installer pour pouvoir télécharger l'application. Bon, je vais mettre la vidéo en pause actuellement parce que sûrement que le téléchargement va prendre un peu de temps. Après, je vous retourne et je vous reviens lorsque l'application va finir d'être téléchargée. Donc voilà les gars, l'application a déjà été téléchargée. Voilà l'application ici, Tronlink. Donc je clique maintenant sur l'application pour pouvoir créer un portefeuille. Donc vous cliquez sur, si vous êtes nouveau, vous cliquez sur créer un compte. Donc je clique sur créer un compte. Vous défilez vers le bas, vous cliquez sur accepter. Là maintenant ça vous demande le nom. Bon, ça vous dit de taper, de mettre un nom. Le nom que le portefeuille aura. Donc je mets Moses et je clique sur next step. Maintenant ça me demande de mettre un mot de passe. Bon, pour le mot de passe, je mets encore la vidéo en pause ou mettre mon mot de passe. Donc les gars, je viens de mettre mon mot de passe. Maintenant, pour mettre le mot de passe, suivez exactement ce qui a été dit ici. Suivez exactement. Donc d'abord, ça doit avoir au moins une lettre en majuscule. Au moins une lettre en minuscule. Au moins un chiffre. Et au moins 8 caractères. Donc il faut que votre mot de passe respecte tout ça. Après ça, maintenant, vous allez cliquer sur Next Step. Et là, ça demande de retaper le mot de passe. Voilà, je viens de répéter le mot de passe dont j'écris et je clique sur le bouton et mon portefeuille va être créé. Donc, à ce niveau maintenant, nous sommes au niveau de mnémonique. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est le plus important même. Le mot de passe qu'on vient de créer n'est rien comparé à ceci. Si vous perdez ceci, si vous perdez les 12 mots, ce qui va suivre, alors c'est que
vous n'aurez plus assez à votre portefeuille. Donc, c'est très important. Prenez une feuille et un bic pour pouvoir noter ce qui va suivre. À ce niveau, ils vont vous gêner, ils vont vous donner, bon, un algorithme va vous générer 12 mots, 12 ou 24 mots. Je vous prie de bien vouloir les noter quelque part en ordre. Je vous prie de bien vouloir les noter en ordre. Donc, vous cliquez sur... Bon, c'est ça, vous prévient en fait. Donc, vous cliquez maintenant sur ce bouton pour continuer. Je clique. Et voilà les 12 mots. Voilà mes 12 mots. Ça me dit, bon, de ne pas prendre une capture d'écran parce que c'est tellement privé, vous voyez. C'est tellement privé. Bon, je sais, je suis sûr que le logiciel ou bien l'application que j'utilise même pour enregistrer l'écran de mon phone ne va pas vous montrer les 12 mots parce que c'est tellement privé que ça refuse des fois. Vous voyez un peu. Donc, essayez. Il y a d'abord une petite bande qui s'est affichée. Pleaser, note taker et screenshot. Vous cliquez sur Go It en bas là. Donc, après avoir cliqué sur Go It, vous aurez vos 12 mots. Vos 12 mots en ordre 1, 2, 3 jusqu'à 12. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez une feuille, vous prenez un bic et vous notez 1, le mot qu'il y aura, 2, le mot qu'il y a, 3, le mot, 4, ainsi de suite. Et vous notez les 12 mots avant qu'on ne continue. Bon, je mets la vidéo en pause pour pouvoir noter moi mes mots, mes 12 mots. Bon, voilà, je viens de noter mes 12 mots. Maintenant, lorsque vous finissez et vous finissez de noter vos 12 mots, vous cliquez sur le bouton qui aura complètement en bas. Donc, je clique. Et là, maintenant, c'est la phase de test, ça, genre la phase de confirmation. Pour être sûr que j'ai réellement noté mes 12 mots. C'est pour ça l'application, ou bien oui, le portefeuille me demande ceci. Là, maintenant, vous allez voir sur l'écran, vous allez voir et 10, 10. Non, pas 10, 10. Ça dépend. Vous pouvez voir 10, 1 ou 2 ou 5. Ça dépend. Pour moi, je vois 10, 10. C'est quoi? Ça veut dire, en fait, ça me demande de mettre mon 10e mot. Vous voyez un peu? Il y a 6 mots en bas et je choisis lequel de ces mots était mon 10e mot. Vous voyez? Donc, il faut cliquer. Ça peut être le 8e mot, comme 5e mot ou 6e mot, bien 7e mot, on ne sait jamais. Donc, moi, je mets le 10e mot. Je vais voir à quoi ça correspond en bas ici. 10, voilà, je tape, et lorsque j'ai tapé maintenant, je clique sur Next Step. Après maintenant, ça me demande moi mon troisième mot. Le troisième mot c'était, voilà, et je clique encore en bas sur ce bouton, le bouton qui se trouve complètement en bas. Et super, voilà, cher ami, le portefeuille. Oh, c'est modeste, j'avais mis. voilà, les amis, le portefeuille a été créé avec succès. Donc, ça, c'est la toute première étape. Maintenant, la deuxième étape, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout long. La deuxième étape, elle est très simple. Faut cliquer en bas ici, sur « Me ». Faut cliquer sur « Me » en bas là. Je clique. Et vous cliquez sur... Vous cliquez maintenant sur ceci. Friend et invitation. Vous cliquez là. Tant que je clique, ça vient. Vous m'excusez, ma connexion déconne un peu. Voilà. Voilà. À ce niveau maintenant. Voilà. Et là où tout va se jouer. Donc, je parle maintenant à celui qui vient juste de télécharger le portefeuille et aussi à celui qui avait déjà un portefeuille. Donc, regardez ici. C'est très important. Regardez ici. Ici. Vous voyez? C'est mis zéro crédit. Zéro crédit. Donc, ça veut dire que actuellement, le portefeuille que je viens de créer a combien? A zéro crédit.
Or, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à avoir les 300 crédits que vous pouvez échanger en TRX ou en Bitcoin ou en BTT, parce que vous pouvez les échanger après, mais pas maintenant. Donc, comment cela va se passer? C'est très simple. Vous cliquez sur ce bouton, vous cliquez en haut ici, Claim et Rewards. Vous cliquez là, je parle bien d'ici, en haut là. Donc, après avoir cliqué, voilà la bande qui s'affiche. Vous tapez maintenant le code, vous tapez un code. Et c'est quel code? Vous tapez Y majuscule. H majuscule, Y majuscule et un X minuscule. Regardez bien et écoutez Y majuscule. Donc c'est en majuscule. H majuscule, Y majuscule et un X minuscule. Donc voilà. Voilà ce que vous tapez. Voilà le code. H majuscule et Y majuscule. H majuscule, Y majuscule et un ins minuscule. Après cela, maintenant, vous cliquez sur le bouton confirmer pour pouvoir confirmer. Je clique sur le bouton confirmer. Super. Voilà. Essayez de lire un peu. Voilà ce que ça me dit. Voilà. Donc, vous cliquez maintenant sur confirmer ici. Vous cliquez sur confirmer là. Pour pouvoir confirmer. Et c'est fini les gars. Vous aurez d'ici quelques dans quelques instants, vous aurez là à la place des 0 crédits, vous aurez les 300 crédits. Vous aurez les 300 crédits. Donc voilà, cher ami. Comment est-ce que vous pouvez avoir vos 300 crédits? Maintenant, si pour celui qui avait déjà le portefeuille, si vous n'aviez pas 300 crédits ou bien de crédits à ce niveau, c'est très simple. Comment est-ce que vous faites? Vous désinstallez l'application. Mais j'espère que vous aviez déjà noté vos 12 mots. Donc, si tel est le cas, vous désinstallez l'application et puis vous retéléchargez l'application ou carrément vous créez un autre portefeuille à vous de voir. Ou un peu, vous désinstallez l'application Trendline pour vous retélécharger l'application et vous. Après avoir retéléchargé, vous créez un portefeuille maintenant et vous tapez le code. Vous aurez les 300 codes. Je pense que c'est bon pour cette vidéo. Cher ami, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te conseille de le faire, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, active aussi la cloche de notification car il y a de bons contenus qui se partage sur cette chaîne. Et dès qu'il y aura du nouveau, dès que les 300 crédits seront échangeables, je vous ferai aussi une vidéo pour que vous puissiez échanger vos 300 crédits que vous venez de recevoir. J'oubliais, si vous voulez, bon, je disais, j'oubliais, je vous conseille d'activer le portefeuille. Ouais, même si c'est 0, même si c'est quelques pièces de TRS, si c'est 1 $ de TRS ou bien 0,5 $ de TRS, je vous recommande d'envoyer ou bien de mettre ça sur le portefeuille. Vous voyez un peu, parce que bon, pour les gens et les portefeuilles qui font ces gens des drops, à la fin, lorsqu'ils vont vouloir distribuer ou bien lorsque l'échange va être possible, ils exigent d'avoir d'abord telle pièce dans le portefeuille avant de pouvoir retirer les crédits. Donc, pour ne pas être surpris après, je vous conseille de faire le programme et puis de mettre soit 1 $ de TRS ou bien 0,5 $ de TRS minimum, quoi. Ça peut aller. Donc, pour ceux qui veulent, si vous avez besoin des TRS ou bien si vous voulez acheter des TRS, je mettrai un lien, le lien de mon contact WhatsApp dans la description. Cliquez sur le lien ou bien contactez-moi en inbox. Je vous aide à avoir les TRS. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.